Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un gâteau au yaourt. Pour le faire, il vous faut un demi-sachet de levure, un yaourt, un demi-pot d'huile, deux pots de sucre, alors j'ai utilisé du sucre roux, vous pouvez utiliser très bien du sucre semoule, trois pots de farine, alors il y a l'équivalent de trois pots de farine, et deux œufs. Nous allons mélanger dans l'ordre que je viens juste de vous énoncer. Donc un petit récapitulatif, mettez surtout à préchauffer votre four à 180 degrés. Donc dans votre bol, vous allez mettre la levure et le pot de yaourt. On commence. Nous mettons à tourner doucement. Il n'y a pas besoin que ça aille très vite pour faire une belle pâte lisse. Donc voilà, nous mettons à mélanger doucement. Dans ce mélange-là, nous allons mettre le demi-pot d'huile. On laisse tourner un petit peu. Nous allons mettre le sucre. Donc pour ma part, c'est du sucre roux. Donc vous voyez, ça s'intègre bien. Nous allons mettre la farine. Donc l'équivalent des trois pots. On laisse bien tourner. Et là, nous allons rajouter les deux œufs que j'ai cassé dans un verre pour éviter d'avoir des coquilles de partout. On va laisser tourner pendant 2 minutes à peu près pour avoir une pâte bien lisse. Quand ma pâte est bien lisse, dans un moule qu'on a préalablement beurré, et c'était la première utilisation de ce moule et c'est pas été une réussite, nous allons mettre la pâte et l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc le voilà, le résultat de mon gâteau. Si vous avez un petit sirop ou si vous pouvez en faire un, allez-y. Merci, likez, partagez, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.